C'est bien, ça me donne le temps d'aller me chercher un verre, je reviens. Bon, je vous résume le scénar. Antes de la création, viene la destruction. Je fais des heures sup pour continuer ce mode. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, Purpolato. Alors, Purpolato, j'ai installé ton Angela.pack. Enfin, tu m'as dit que tu avais fusionné du RAN dedans. Peut-être, peut-être pas. Voir comment ça marche. Non, il n'y a pas d'Uran. Ah, d'accord, merde. J'avais continué d'Uran. Ouais, tu m'avais déjà envoyé un fichier d'Uran, en fait, c'est pour ça. Il y a juste Angela. Mais ils sont pas compatibles, du coup, je peux pas mettre les deux. Bon, dans l'absolu... Si, tu peux, voilà. Dans l'absolu, il me semble en plus que Silice, il avait modé les sangles. Pas les sourcils avec Uran. Ah, il avait modé les sangles et, sur la tenue de paladin. Et je me demande si Silice il a son update du mode. Ouais. Voilà. Ça, je sais si les sangles sont sur la version de. Je sais pas si les sangles sont sur la version de Purpolato. Ouais, tu vois, c'est la question. La question! C'est la question! Trials of Mana. Musique plus forte que la voix du Léna. Ouais, cassez pas les couilles. J'arrive. Trials of Mana. J'utilise que les cheveux et les faces, donc ce seront tes textures. Ah putain, Silice de Gain, vite. Vite! Envoie-moi ton mode sur Discord. Que je l'installe. Vite! C'est une urgence. Ah, attends. Je dis c'est une urgence, mais en fait, non, je crois que je l'ai déjà. Laisse-moi vérifier. Pouh! Alors, j'avoue que Angela Blanco. Alors, par contre, ça lui fait des rides. Hein. Elle a pris 130 ans, Angela. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi ça lui fait des rides comme ça? Bizarre ça. Mamie Gela, j'avoue. Milf Gela, mon gars. Problème de morph sur le menu. Et apparemment, effectivement, ça n'est que sur le menu. Ah non, si c'est en vrai aussi, regarde. Tiens. Merde, attends, je vais voir. Étrange. Jutsu Abuela de Fuego. Mais in-game et en ciné, c'est parfait. Bah, c'est le même modèle, hein. C'est sûr. C'est chelou. Après, bon, good enough. C'est quoi? Pas celui de drive que je t'ai envoyé tout à l'heure. Ouais, faites ça, ouais. Faites ça. Oh, le Google Doc. Vas-y. Ah oui, c'est ça, t'as mis ça sur un drive en plus. Vous n'êtes pas autorisé à consulter cette page, pute! Silice Degas, répare!
Cet homme me tente, puis me cuck. Je suis denied. Alors, où est-ce que je peux voir les messages privés? Le drive. Ah, attends, j'ai accédé au drive. Prendre Ruskin Close Artwork Paypack. Ruskin Close Artwork Paypack. Très bien, avec instruction. Les cheveux. Hola Mostachos, mais ça, c'est toi qui t'amuses. Ça, c'est pour les visuels. Donc, je télécharge tout ceci. Télégargation. Par contre, on est sûr que c'est pas un vrai problème, mamie Angela? C'est tellement chelou comme bug. Ouais, tu vois, regarde, ça lui fait des bajoux. Elle a ça en vrai, Angela? Je sais pas. Si, si, problème de morph sur Angela. Bon, bah c'est pas grave. Au pire, on avisera, c'était quoi? Alors attends, Allez. C'est bon, il a téléchargé, fils de pute? Non, il a pas téléchargé, putain, mais je déteste Google Drive. Écoutez, Alt F4, à l'ancienne, laissez-moi d'abord régler tout ceci. Quel enfer! Google Drive, c'est tellement de la merde! Oh là là là! Quel enfer, quel enfer. Alors. J'arrive. Hein. Ruskin Close Artwork. Ok. J'y travaille. Hein. Ça marche bien lorsqu'on n'a pas un ADM de boomer. Ouais, mais je sais pas comment vous faites, vous. Le fichier a été compressé au format zip. Téléchargement prêt. Bah ouais, mais je veux le télécharger, là, du coup. Pourquoi il l'a pas pris? Alors, il compresse les fichiers au format zip. Il les télécharge jamais. Ok. Bravo, Google Drive. Qu'est-ce qu'il faut? Faut que je désactive Adblock? Qu'est-ce que c'est cet enfer? Quelle est cette puterie? Allez, vas-y. Quel enfer. J'arrive. Ok, donc ça c'est bon. Ça va là. Et puis ça, là. Et ça va là. Et ça, voilà. Voilà. Oui, on le remplace. Voilà. Ruskin Close Artwork. Ça va là. Directement. Angela Paypack. On l'enlève. Temporairement. Quitte à ce qu'on n'ait pas les cheveux blanco. Impeccable, merci Ruskin Close Artwork, un point rare, super. C'est les cheveux en fait qui me manquent. C'est le fichier des cheveux refuse de se. Ah, c'est bon, s'il fallait quitter la page web. Ah bah bravo. Ok, si tu ne quittes pas la page web, ça marche pas, super. Trop super, je suis trop saoulé. Pff. Voilà. Impeccable. Voilà, on écrase tout. Voilà. Ok. Il fait tout noir. C'est du racisme. T'as pas le droit avec ce qui se passe aux États-Unis. Faut pas dire ça. Angela Light. Donc ça, je le prends. Pouf. Duran Light. Il y en a pas parce que c'est le même. Et Okai Dark, je le prends aussi. Ah mais non, attends, reviens. Tu m'as dit Okai Artwork. Okai Light Artwork. Et il a un Dark Artwork. Mais non, c'est le même en fait. On n'y touche pas si c'est Dark Artwork. C'est ça en fait, donc on ne le met pas. Donc, pour l'instant, on met juste Angela Light. Impeccable. Donc voilà, juste Angela Light.
Ça va être tout droit. Ouais, non, t'inquiète. Et... Je sais pas pour la peine pour les extrêmes de la version artwork. Oui, c'est liste de gains, sauf pour Hawkeye. C'est le seul qui change réellement quand il est light. Mais là, on est dark, donc pas la peine. Le pack Angel est temporaire, je te rassure, on est en mode rush. Bah, t'inquiète, va. T'inquiète pas, après tout, j'apprendrai à jouer au jeu et à m'en contenter et à être très heureux. T'as pas non plus besoin de te buter pendant une semaine pour ces conneries. Voilà, faut le dire. Parce que clairement, t'y passes 12 heures par jour, t'as investi ta femme dedans et t'as même pas de salaire. Bon. Bon, faut respirer. Faut respirer. Alors, eh ben elle est blonde. Et elle a pas le granny effect. Et par contre, là, comment dire, Silice de gain, mon cher Silice de gain, je tiens à te dire que ton blond là, sur Angela, il est parfait. C'est le blond de la sorcière. T'as réussi à arrêter le blond rose. Ça lui va très très bien. Je sais pas comment tu t'es démerdé. Oh, et les sangles! Oh, les sangles en cuir sur Duran! Oh, j'avais pas vu! Oh, c'est divin! Oh, c'est divin! Divin! Bravo! Eh ben, en tout cas, ils ont une sacrée classe! Hein. Sacrée classe! Oh, et ça lui va tellement mieux les sangles en bleu plutôt que les sangles en violet dégueulasse! Oh là 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 là! Alors, ça lui va tellement mieux, les sangles en cuir que les sangles dégueulasses, je sais pas parler. Très bien. Donc lui, il est parfait, il est resté comme il est. Ça marche. Et elle, ça lui va terriblement bien. Alors, je sais que sur l'artwork, elle a les cheveux violets, normalement. Mais avouez, ça lui va, mais divinement bien. Oh là là. Peut-être trop orange le cuir, non? Bah non, c'est du cuir. Et puis c'est une armure de paladin, ça bling, mon gars. Regarde, il y a de l'or au bout, si tu veux. C'est du cuir neuf. Et en fait, c'est bien que ce soit la même couleur. Regarde, parce que c'est la même couleur que le manche de son épée, ainsi que ses cheveux. Donc ça ne brise pas son code couleur. Fantastique. Alors, échauffons-nous. Boum. Hook. Hook. Voilà. Bonjour, technique secrète. Cercle circulaire. Tour. Tac. Et voilà. Ah.
attention. Ça passe plutôt bien. Un peu de mana. Oui, là il y avait un boss. D'accord, je vois. Ok. Faisons le ménage avec Angela. Angela, baisse tout. Belle et douce Angela. Voilà. Tiou, 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 tiou. Eruption. Ok, c'est bon, je suis chaud. Donc la dernière fois, nous avions vaincu, souvenez-vous, le chevalier noir, qui s'était avéré être en vérité et en réalité le père de Duran, chevalier d'or qui était tombé au fond du puits avec le seigneur dragon. Et le seigneur dragon a utilisé ses pouvoirs nécromantiques absolus afin de sceller l'âme du père de Duran dans le chevalier noir et de le forcer à exécuter sa volonté. Le drama était total. Il y a encore le mode du drop plus plus, ouais, bien sûr. Il va rester jusqu'à la fin, celui-là. Sinon, c'est trop chiant. Du coup, allons-y. Oh là là! Ah, d'accord, c'est Angela qui nucléarise. Putain! Ça se dévoyait des kilomètres, le père, bien sûr, mais on est en 1980 quoi? 95? 94? Même pas? Ouch! Voilà. Bien. Ah, du coup. Allons-y. Ah mais attends. Je dis allons-y moi qu'à un caron, mais 518 Duran, hein. Il fait des vrais. Il ferait des vrais soins, regarde ça. De la vraie magie. Mais tu vas émousser ton épée si tu continues à la planter dans le sol comme ça. Émousser? Oui, Duran. Émousser, tu sais, du genre l'épée arrête de trancher. Mais une épée ça tranche tout le temps, qu'est-ce que tu racontes? Tu as jamais vu ce que je faisais avec mes dagues et... Ah, l'espèce de truc bizarre où tu tapes avec tes dagues sur des cailloux, c'est étrange ça. Alors que si tu les manipulais et que tu faisais des grands mouvements suffisamment puissants et rapides, tu trancherais tout en deux. Oui, c'est vrai que ça marche. Mon professeur me disait qu'on pouvait tout trancher, avec des mots même. Mais bon, ça j'ai jamais réussi à le faire. Son épée est nulle, c'est juste un gros morceau de métal en fait. Mais comme il va très très fort, ça marche. Ouais, dans Berserk aussi, c'est comme ça que ça marche. Oh.
Mais avouez qu'Angela comme ça, avec les cheveux blonds, elle est divine. Hein. Est-ce qu'on peut se l'avouer? Garantie. Elle est griffon d'ortière, j'avoue. Bon. Allons-y. Tac 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 tac. Ouah, je l'ai pris celle-là ? Eh ben je l'ai pris. Jutsu bola de fuego. Et tac. Et voilà. Passage. Allez, la max. Mais tout ceci m'a l'air d'être une escalade à la puterie. Sabre lumière. Et maintenant, technique secrète, cercle circulaire. Mais de lumière. Grosse fessée, hein. D'objets dorés. Mais maintenant que tu as vaincu ton père, le chevalier noir en duel honorable d'Uran et mis son âme au repos, qu'est-ce que tu comptes faire? Vaincre le sorcier pourpre. C'était ma quête de départ et c'est mon serment. Ton serment? Oui, j'ai juré que je pouvais pas rentrer chez moi tant que je l'avais pas fait en fait. Mais c'est complètement con. Ah bah écoute, hein, on choisit pas ses destinées, ok? Eh ben, voilà qui est relativement inquiétant. C'est sans doute les battements de cœur d'Angela. Mais pourquoi tu dis ça? Je veux dire, ils sont à fleur de peau. Arrête. Seigneur Noir. Eh ben, rien que ça. Messieurs, bonjour. Hop. Oh, oula, ah. Thank you.
les tombes. Ah, c'est bon, c'est pas tombé sur Duran. Eh ben. Mais qu'est-ce que c'est que cette grotte avec une salle du trône? Mais c'est le trône de l'empereur dragon. T'as essayé de suivre ou pas? Allez, allons-y. Encore. Des minables. Ouch. Bam. Encore. Bon. Ah, tempête d'amour. Et voilà. Orbital. L'empereur dragon est vexé parce qu'il n'arrive pas à passer les portes de son propre château. Je te rassure, l'empereur dragon, il a une forme humanoïde. Ouais, bon, bah... Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Très bien. Cercle circulaire. Tour. Loin celle-là. Ouh là là, tout ceci ne passe pas très loin. Allez. Ils sont trop nombreux, Angela. Allez, bon appétit. Toi. Fou. Hey, level up. Ça aurait été intéressant qu'Angela elle level up parce que ça lui aurait permis de récupérer tous ses points de vie, sa mana et tout le reste. Il nous reste des noix? On a toujours des noix, Angela. Non, mais des noix de magie. Ah. Oh. Alors que comme ça, tu... Oui, oui, oui. Mon travail de grand devineresse m'implique de lire beaucoup de livres. Et quand est-ce que tu as trouvé le temps de... Bah, quand on passait des semaines entières dans l'auberge. Tu crois pas que j'allais rester juste au bord de la route pour que des vieux hommes me donnent de l'argent toute la journée, si? Ça allait être terriblement ennuyeux, sinon. Et puis c'est à cause de Duran, tout ça. Comment ça, c'est ma faute? Bah oui, tu voulais qu'on reste dans l'auberge jusqu'à ce que soit le bon jour pour affronter les monstres encore plus forts. Mais s'ils sont pas plus forts, comment moi tu veux que je devienne plus fort? Bah écoute, c'est pas de ma faute si t'es qu'un imbécile. Voilà. Et moi, c'est pas de ma faute si... Duran. Si t'es qu'une fille! T'es vraiment blessé par ça? Non, pas vraiment. C'était plutôt mignon en fait. Tu dois être le seigneur dragon!
Vous n'apprenez donc jamais. Plus rien n'importe, en fait, puisque vous êtes tous ici. Assistez à l'avènement d'une nouvelle ère. Je vais devenir un dieu. Oh non, pas l'épée de mana, arrêtez. L'épée de mana vit ses derniers instants. Son pouvoir sera à moi. Oh non, elle a disparu. L'épée a absorbé la puissance des bénévodons que vous avez anéantis, ce qui a corrompu à l'extrême. Maintenant, cette puissance est à moi. Craignez de nouveau le Seigneur des Dragons. Oh, vénérable maître, vous avez même surpassé la déesse de mana elle-même. Vous êtes plus qu'un dieu. Vous êtes une divinité suprême! Monseigneur? Cette douleur, quelque chose me retient. La déesse de mana! Nani! Misérable vermine, comment se fait-il qu'elle soit encore en vie? Si elle souhaite disparaître, je vais l'éliminer à la source. Je vais détruire l'arbre de mana. Nous allons au sanctuaire de ce pas. Je vous rejoins, Seigneur. Je vais d'abord nous débarrasser de ces minables. Alors dépêche-toi! Te débarrasser de moi? Essaie de pourvoir! Je suis plus celui que t'as rencontré à Forsena! Et j'attendais ce moment avec impatience! Si j'ai fait tout ce chemin, c'est pour en finir avec toi! Tu es peut-être un sorcier, mais je suis... mathémagicien! Ha! C'est terminé! Oh, très bien. Vous comprendrez vite combien vous n'êtes rien face à la puissance des ténèbres. Je vais vous en faire la démonstration en personne! Ah merde! Attends. Attends, c'est pas acceptable. Évidemment. Bon bah... on va faire ça vite. Quel con! Crétin! Ah
Bah attends, du coup... Allez! Merci! Ah, quel dommage. Oh well. Très bien. Bon. Ça devrait être bien. Ça devrait être bien. Ça devrait être bien. On y croit ? Allez, on y croit. Est-ce que je peux avoir la musique à fond ? C'est nickel. On est en difficile, on y croit, c'est hardcore. Laissez-moi me verser un verre d'abord. Bah alors, j'avais pas une bouteille ? Mais si, Minixaras, j'avais une bouteille. Où est-elle ? Merde alors, je suis un débilus ? Je suis un débilus. Eh bien écoutez, la tension sexuelle est totale. Il y a Coren, il y a l'Empereur Dragon. La tension est totale. Je reviens. En fait... voilà.
blablabla. Bla, bla. Craignez le seigneur dragon. Blablabla. Blablabla. Bien sûr, ça fait de la mousse. Parce que Coca-Cola, c'est de la merde. Ok, donc, nous disions... Allons-y. L'épée, le reflet de l'âme, le devoir d'un chevalier d'or est de protéger. Ah putain, il y a un texte. Personne n'a d'idée. Ah, putain, mais attends, mais il y a un texte et tout. Bois, mais je suis pas prêt. Je suis pas prêt parce qu'on a un problème qui est majeur. Et qui est que ces enfoirés... Et qui est que ces enfoirés me font régène. Alors attendez. On va y arriver, hein, c'est un processus. Hein. Là, à l'issue de ce combat, Angela va level up. Thank you.
Angela vient de level up. Mais mettez-moi une sieste, putain! Quand même! Voilà! Voilà! Enfin! Enfin, pas trop tôt! Voilà! Stratégie. Il y a une mouche, il va falloir te barrer. Voilà, c'est bon, je lui ai mis une gifle. Voilà. Bon. Pas de save, parce que si je sauvegarde, ça ressuscite, enfin, ça rend tous les points de vie à mes potes. Allons-y. Voilà. C'est parti, sorcier pourpre. Incline-toi devant la puissance du Seigneur Dragon, comme ton père l'a fait devant moi. Tu sais, je devrais te remercier. Depuis le jour où tu m'as vaincu, je ne cesse de gagner en puissance. Toi. Sais-tu que ta force serait décuplée si tu donnais ta vie au Seigneur des Dragons? Putain, mais il voit. Comme ton père avant toi. Arrête! Tu crois vraiment que mon père, Loki, le chevalier d'or, n'était pas bien plus que ça? Toi! L'épée et le reflet de l'âme! Le devoir d'un chevalier d'or est de protéger, rien d'autre! Personne n'a d'idée de la force dont il dispose avant de savoir ce qu'il protège! Toi! Attaque Trisocèle! Tout! Tu es pathétique. Ta force n'est rien face à la volonté du Seigneur des Dragons. Il est temps pour toi de comprendre la futilité de ton existence. Je vais te montrer ce que c'est la véritable force, ici, maintenant. Toi. Bec. Ah. Putain, il cherche. Non. Tac, tac, tac. Et hop là. Oups. Ah merde! J'avais pas vu, bien joué! Tu t'en es enfin rendu compte, chevalier? Je suis pas chevalier! Mon père était chevalier! Peu de différence pour moi, aucune importance.
tu vas mourir ici et maintenant. Tac. Blablabla, c'est pas grave. Je suis pas chevalier. Chevalier, c'est quand tu sers un roi. Et tu ne sers pas ton roi, comme ton père avant toi. Je suis paladin. Et les paladins, ça protège les princesses. Putain, viens là, enfoiré. Arrête de gesticuler. Tu es beaucoup trop lent. Tac. Sabre lumière. Sabre feu. Eh mais c'est de la triche. C'est de la magie, Duran. Montre-moi ton art. Tu as appelé ça ? De la mathémagie. De la mathémagie, bien sûr. Et comment espères-tu me vaincre avec cette mathémagie ? Moi qui suis le maître des arts noirs. Tu n'es même pas capable de compter jusqu'à 10. La mathémagie ! Imbécile, c'est pas dans la tête, c'est dans le cœur que ça se passe. Tour. Mais tu le saurais si t'en avais un. Putain. En cas, c'est laborieux. Ah. Ça peut durer encore longtemps comme ça. Ah, raté. Deuxième sauce. Attaque. Trisocèle. Tour. Je ne suis plus le soldat que tu as affronté sur les remparts du château de Forcella. Oulala. Ça doit être la source de pouvoir. Il faut le détruire. Excellent. Tour. Tac. Attaque. Trisocèle. Pouah. Griffe haut, ça servira à rien, n'est-ce pas? Oh well. Ah, on peut bien essayer. Ouch. Ouch. Alors comme ça, ton élément, c'est l'eau, hein. Eh bien, c'était un piège. J'avais une patte de Cerbère. Mais qui possède deux objets différents opposés pour alimenter ses armes? Tu ne serais pas un peu un imbécile? Je suis pas un imbécile, je suis paladin. Et merde. Alors, paladin? Oh, ça va. Te moque pas non plus. Quel enfoiré. Ah. Pas passé loin celle-là. Tac. Tour.
changement de type lumière? Eh, hey, mais c'est de la triche! Ça! Math et magie, cercle circulaire! Mais ça veut rien dire! Tu crois ça? C'est que tu n'y crois pas assez fort! Imbécile! Je n'ai nul besoin de foi, je ne crois qu'en la puissance! Pour croire en quelque chose, il faut déjà avoir un cœur! Tu ne crois en rien, sorcier pourpre! Par contre, je dois reconnaître que ta capacité de PM est assez impressionnante. Et ta capacité de point de vie est très impressionnante. Mais ça ne fait rien, tu finiras par t'épuiser tôt ou tard. Ça, sabre terre. Ah! Ah bah oui! Ah bah oui! Forcément. Ah bah oui, pétrifié. Bap! C'est bap, mon gars. Tant pis, réfléchis. Ah, j'ai pas d'objet qui annule ça. Est-ce qu'il y a quelque chose? De toute façon, c'est censé être un 2v1, c'est vrai. C'est vrai, techniquement, c'est l'ennemi de Angela aussi. Je suis bête. Ah, mais ça passera pas du coup. Ouais, ouais, duel d'altération d'état. Y a rien qui t'empêche d'être pétrifié dans ce jeu? Non, hein. Pas de mémoire. Les points. Ah. Ah, c'est après l'histoire principale. Ah bah tant pis, écoute.
pas rien, ça. Bon bah tant pis, en tout cas... Ah, j'ai été silencé. Thank you.
il gagne des niveaux et tout. Bon, bah tant pis. Protéger uniquement. Voilà. Il n'interviendra pas. Comme ça au moins, tant pis. On la refait, deuxième essai. Combat de mathémagicien. Allons-y. Voilà. Allez. Y a pas de seigneur dragon. Pas de seigneur dragon qui tienne. Changement de type. Oh, très bien, bah vas-y. On te regarde. Allez, d'accord, t'es passé changement de type vent en fait. Ok, très bien. Changement de type terre, attention. C'est là que c'est dangereux. Tac. Changement de cimetière, c'est attention. Nuage de pierre, j'aime pas ça. Il est où? Changement de type terre, j'aime pas ça. Non. C'est non. Non. C'est non. Quand il est en mode type terre, on reste juste en mode passive esquive. Voilà, pour éviter les événements fâcheux tels que celui-ci. Voilà. Sabre flotte. Ah, il est en mode terre. En mode... Ouais, il est passé en mode terre, merde. Il m'a donné un sabre terre, cet enculé. Tac.
est en panique. Oups. C'est bon. Ouh. Maintenant. Ha. Dans le dos. Je suis la nuit. Je suis la vengeance. Tour. Mais j'en ferai pas plus. Parfait. Attention, il est en mode terre. Oh, love, explosion! Changement de type lumière, merde. Dédoublement. Ah non, tout va bien. C'est nous, ça. Tour. Raté. Changement de vent. Sabre lumen. Dieu que c'est rapide. Changement de type feu. Ah, parfait. Disparaît, Coren. Cercle circulaire. Changement de type ténèbres, et eh ben prends ça. Tempête d'amour. Oh, il est dedans. Je suis la nuit, je suis la vengeance, je suis intervenu alors que j'avais pas le droit. Tour. C'est terminé, Coren! Tour! Attaque! Trisocèle! Ouh! Eh putain! C'est impossible! Mais les pouvoirs occultes de mon maître! Non! Ce n'est pas fini! Allez. Rends-toi à l'évidence. Tu ne peux même plus te relever. Les ténèbres ont montré leurs limites. Plus jeune, j'étais incapable de pratiquer la magie. J'avais tellement honte de moi et de mon impuissance que je finis par fuir Altena. Je fis un long chemin et arrivai à l'accueil du dragon, là où le fameux chevalier d'or avait perdu la vie face au seigneur des dragons. Et je tombai sur la dépouille de mon maître. Il n'était pas complètement mort,
son état d'esprit et son esprit s'adressa à moi depuis le corps en décomposition. Et il me proposa un pacte. En échange de la moitié de ma force vitale, il me permit d'accéder à son pouvoir sans aucune limite. Malheureusement, cette force vitale ne le ramena pas complètement à la vie. Le Seigneur Dragon n'est cependant pas à être à se laisser arrêter. Il élabora un plan pour s'arroger la puissance des Bénévodons à l'aide de l'épée de mana, afin de retrouver son aspect d'antan d'Empereur des Dragons. Bientôt, le Seigneur Dragon aura retrouvé sa puissance. Pour ma part, ma vie est à moitié consumée. Je ne peux rien y faire malgré les pouvoirs de ténèbres que j'ai reçus. Mon intégrité est à jamais perdue. Alors, pourquoi continuerai-je ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Abandonne pas, crétin ! Rien ne t'oblige à mourir ainsi ! Oh... Je te remercie, Duran. Quel gâchis! Je l'aurais tué moi-même, mais... Enfin. Voilà où l'a conduit la puissance des ténèbres. C'est triste, mais le temps nous est compté. Nous devons retourner au sanctuaire pour protéger la déesse. Elle est toujours en danger. La puissance des ténèbres conduit donc à l'autodestruction? Non, au suicide. C'est pour ça que c'est un péché. Si l'arbre de mana meurt, c'en est fini de mana. Nous n'avons plus l'épée, mais il ne faut pas abandonner. Je vous en prie, vous devez aider la déesse de mana. C'est une opinion très tranchée, hein. Je suis la fée de mana, ok? Je suis la religion, moi. Le truc dont tu t'y attends pas, si tu veux. Le sorcier pourpre vous permet d'obtenir une nouvelle récompense. 10 PM toutes les 5 secondes en combat. Oh ouais. Ah ouais. Donc ça fait 120 PM par minute. Ah ouais, donc on est dans le territoire de The Gamer, hein. PM régénéré en cas d'attaque puissante réussie, bah ça sert plus à rien. Tu prends allumage. Et toi du coup? Ah tu peux pas, d'accord, ça n'est qu'Angela, d'accord, mais c'est pas grave. Allumage, c'est réglé. Et puis voilà. Non mais c'est pété, c'est pété. Angela va pouvoir arrêter les noix. Que tu crois? Hop. Tour. Oh. Apparemment l'histoire n'est pas terminée. Hein. Dis Duran, durant le combat, quand tu disais de protéger une princesse, tu parlais de moi, n'est-ce pas? T'en connais d'autres? Parce que je vais être sincère, hein, pas moi. Hein. Moi, je suis pas ladin, hein, je m'occupe pas du gratin, si tu veux. Maman! Pouah. Angela? Mais où sommes-nous? Oh, t'as encore fait faux bond à José? Mon enfant, tu devrais pas te mettre des fidèles sujets à dos. N'oublie pas qu'un jour, tu seras reine d'Altena. Je sais que c'est difficile, surtout si la magie n'a rien d'instinctif pour toi. Mais tu peux prendre tout le temps que tu voudras pour apprendre. Tous les jours, je prie la déesse de mana de t'envoyer sa bénédiction pour que tu réussisses à apprendre plus vite, tu sais. Oh, maman! Maman! Mais qu'est-ce qui se passe, Angela? Il est inutile de pleurer.
Oh, et présente-moi tes camarades. Qu'est-ce qui se passe? Et vous, qui êtes-vous? Je suis la nuit. Je suis la vengeance. Très bien, monsieur Vengeance. Et vous? Je suis Duran, paladin du royaume de Forsena, fils du chevalier d'or Loki, et serviteur du roi. Oh. Hein. Je n'arrive pas à croire que ces horreurs aient pu se produire. Je me souviens de rien. Comment une reine peut-elle se permettre une telle folie? Même si j'étais manipulé, la simple idée que j'ai pu envisager de sacrifier ma propre fille me remplit d'horreur. J'ai honte. Je t'en prie. Pardonne-moi, Angela. Non, tout va bien, mère. Tu es toujours la reine sérénissime, et ton peuple t'aime, et moi aussi. Tu dois continuer à gouverner Altella comme tu l'as toujours fait. Nous devons nous rendre au sanctuaire de Mana, cependant. Nous devons affronter le seigneur des dragons. Mais je reviendrai te voir quand tout ceci sera terminé, mère. Merci, Angela. Vous devez vous rendre au sanctuaire au plus vite. Nul ne peut en franchir le portail, à part vous trois et la fée. Tous nos espoirs reposent sur vous. Faites bien attention et revenez me voir après. Et ben voilà! Angela, voudrais-tu bien répondre à cette question? Oui. Durant votre périple, vous m'avez dit que vous êtes passé par le royaume de Forsena, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Et tu as pu rencontrer le roi là-bas, n'est-ce pas? Oui, un homme imposant. Il me faisait un peu peur, mais quelque part, il était très chaleureux. Et ce garçon? Oh, c'est le fils de son chevalier principal, le chevalier d'or Loki. Il est devenu paladin au lieu de devenir chevalier d'or. Il a été très utile durant mes aventures. Très bien. Il n'a pas l'air d'être homme à quitter ou à partir de manière précipitée, j'imagine. Maman, laisse tomber, Angela. Je vous souhaite un excellent voyage et sauvez le monde. Ok. Bon. Ah. Heure de Lumina, jour de Mana. Non, mais la backstory, les enfants, c'est que le roi, il est parti acheter des clopes. Ton père fumait, Angela. Le roi s'est entillé. Ça va chercher du lait pendant 15 ans. C'est garanti. Sorcier pourpre ne maîtrisait absolument pas la magie à l'époque. Il n'était pas non plus l'insupportable prétentieux qu'il était devenu aujourd'hui. Ouais, bah il est mort. Au moins, ça c'est bien. Ah, Duran. Ok. Alors, tu as maintenant accompli ta vengeance? Comment te sens-tu? Quelque part, je mentirais si je disais que je me sens pas bien à l'issue de ça. Déjà, je vais pouvoir rentrer chez moi. Mais encore? Mais d'un autre côté... Je trouve que c'est un peu vide de sens maintenant. Vide de sens? Comment ça? Eh ben, j'ai trouvé autre chose à protéger sur ma route. Je suis devenu plus fort, je suis devenu paladin, des tas d'autres responsabilités. C'est comme si c'était une promesse que j'avais fait quand j'avais, je sais pas, 10 ans et demi, et qu'elle était enfin finie. D'un côté, je suis content, de l'autre côté, je me rends compte à quel point c'était insignifiant. Sauver le monde et la déesse de Mana, c'est insignifiant pour toi? Non, pas du tout. Juste, le sorcier pourpre, tout ça. Enfin, je veux dire, il volait partout, il balançait des boules de feu. Il était même pas si fort, en fait. Et tu vas rester là, à regarder cette statue, comme ça. Oui. Je peux te demander pourquoi? Oh, Duran, ton innocence est palpable. J'ai pas le tambourin, hein. Il est où? Thank you.
Très bien. Bob, tous les persos ont allumage, tu as juste zappé sur OK. Non, mais tu peux l'équiper qu'à une seule perso. Allez, on doit sauver la déesse de Mana. Je vais enfin venger mon père, c'en est terminé du Seigneur Dragon. Duran, où est-ce que tu vas, Duran? Un dernier truc. C'est sur la route, t'en fais pas. Ça va bien se passer. C'est où, ça? C'est pas. On va s'y reposer sur la forteresse du dragon. Ah. Une aura étrange en émane. Examinez. Une seconde. Allez, 15 partout, d'accord, carrément. Allons-y. Il est l'heure d'affronter l'ennemi le plus puissant du jeu, et de loin. Stuffy Bunny par Derpiction, c'est parti. Ça connaît les vrais bails. Ça connaît les vrais bails. Ça connaît les vrais bails. Tac, comme ça j'ai le Pax pour y accéder directement. Et De toute façon, il n'y a qu'une seule musique pour ça.